7 chose à savoir absolument avant d'investir sur un ETF World. C'est ce qu'on va voir de suite. Et on commence en premier lieu par un petit rappel. Qu'est-ce que le MSC World Donc c'est un indice monde sur les pays développés. Et l'indice MSC World, ça capture une représentation des grandes et moyennes capitalisations dans 23 pays des marchés développés. On a au total 1500 constituants et l'indice couvre environ 80% de la capitalisation boursière mondiale. Et ici, on peut voir le poids des pays les plus présents au sein de cet indice. Donc on va retrouver les US, le Japon, le Royaume-Uni, la France, le Canada et autres qui correspondent à plus de 13%. Et on aura à l'intérieur l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, Hong Kong et aussi l'Irlande, Israël, l'Italie, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Portugal, Singapour, l'Espagne, la Suède et on finit par la Suisse. Maintenant, on va passer aux 7 choses qu'il faut absolument savoir avant d'investir sur cet indice boursier. La première, c'est que le MSI World ça couvre précisément 78% de la capitalisation boursière mondiale versus 5%. 50 pour l'indice SP500 et l'indice MSI World ça permet pas de suivre les petites capitalisations et les pays émergents et ici on a une infographie hyper intéressante qui a été réalisée par épargnant 3.0 donc on peut voir concrètement que c'est 78% de la capitalisation mondiale et si concrètement on voudrait vraiment avoir 100% il faudrait rajouter au niveau du World la partie Small Cap qui n'est pas présent donc investir sur du World Small Cap au-delà de ça sur un ETF qui serait sur les pays émergents et aussi un ETF small cap sur les pays émergents pour avoir 100% de la capitalisation mondiale. Après 78%, c'est euh, plus euh, largement plus que la moitié du marché et de la bourse mondiale, donc c'est déjà énorme. Deuxième élément, c'est que le MC World a une performance de pratiquement 10% par an depuis fin 1969 et la plupart des Français pensent que l'immobilier est un investissement beaucoup plus rentable que la bourse. Ils n'hésitent pas à investir dans des produits défiscalisants peu performants tels que le célèbre... Pinel que j'ai oublié d'indiquer juste ici. Pourtant, investir en actions a été un excellent moyen de s'enrichir sur long terme. On peut le voir ici. Alors ici, je crois que j'avais commencé à 1971. Quelqu'un qui a investi 1000 euros en 1971, et eh ben concrètement, ici, fin, fin début 2023, il se retrouve avec un x62. Donc avec 62 132 euros. Donc on est sur un taux ici de 9,69% donc on est quand même très très proche des 10%, bien entendu à ça il faut enlever l'inflation, donc on verra un petit peu après à quoi ça correspond net d'inflation, mais une nouvelle fois ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est que c'est sans rien faire, sans euh, bouger son doigt euh, tous les jours, clairement non, juste c'est investir, ne pas se prendre la tête, alors bien entendu il y a des hausses, il y a des baisses, mais moyenné 1 fois 62 en 50 ans, donc c'est quand même un très très bon euh, investissement euh, à ce niveau là. Troisième élément, c'est quand on enlève l'inflation. C'est qu'on est sur une performance des actions mondiales de l'ETFOR de 5% par an net d'inflation depuis 1900. Donc on pourra enlever l'inflation pour raisonner en pouvoir d'achat, mais il faudrait aussi le faire sur les autres classes d'actifs. Donc il faudrait faire exactement la même chose sur l'immobilier si on souhaite avoir des données aussi plus précises. Et l'inflation française depuis 53 ans a été de 4,1%. On arrive donc à 5,4 net d'inflation, ce qui est excellent grâce à la magie des intérêts composés. Bien entendu, ça c'est si on prend la possib... la... le cas où on réinvestit à chaque fois euh, si on perçoit nos dividendes directement au sein de notre ETF pour se retrouver avec cette performance. Si on est sur un ETF qui verse des dividendes et qu'on les récupère et qu'on les utilise pour son quotidien, clairement on est sur une performance qui est beaucoup beaucoup plus faible. Et l'indice MSI World remonte uniquement jusqu'à 1969. Cependant des chercheurs, donc on a Elroy Dinson, Paul Marsh, Mike Stotton, qui ont pu remonter jusqu'à 1900, et ils ont calculé que les marchés développés entre 1900 et 2022 ont une performance nette d'inflation de 5,1. Un résultat proche de ce que l'on observe depuis 1970, donc c'est à peu près similaire, même si on se met encore 70 ans avant. Donc on peut dire 5%, c'est pas énorme, mais c'est net d'inflation et ça, ça fait une grosse différence. Et une nouvelle fois, c'est en faisant strictement rien. On n'a pas besoin de se casser la tête avec un locataire, avec des problèmes de toilettes, avec... Tous ces problèmes-là, il n'y en a pas strictement. Donc euh, c'est quand même excellent et c'est un super bon taux de rendement, même si on verra bien entendu en septième élément qu'on peut faire largement mieux qu'un ETF MSI World classique. Quatrième élément, c'est que le MSI World, il est composé à 69,7. 7% d'entreprises américaines donc les états unis pèsent deux tiers de l'indice, la France en comparaison elle pèse que 3,2% de l'indice, ce qui est tout de même bien plus que l'Allemagne et ça peut d'ailleurs paraître bizarre pour certains et il y a d'ailleurs aussi de nombreux portefeuilles de français composés d'actions individuelles qui surpondèrent la France et c'est pas uniquement en tant que français, c'est un biais lorsqu'on habite dans un pays pour beaucoup d'investir directement sur des entreprises qui sont présentes au sein de son pays donc pour les américains c'est pas forcément sidérant parce que euh, eux, bah, c'est vraiment les entreprises américaines sont des bulldozers euh, qui ont une capitalisation très très importante et qui euh, bah, aujourd'hui euh, pèsent énormément dans la capitalisation boursière mondiale. Mais nous, en tant que Français, les entreprises français, euh, françaises, c'est euh, au final exclusivement euh, 3,2% euh, de l'indice World, donc des pays développés, ce qui est très très faible. Donc même si on a des très belles entreprises qui pour le coup exportent de partout dans le monde, bah, c'est dommage de se limiter exclusivement à celle-ci, ça peut être vraiment intéressant de se diversifier, de s'exposer à différentes entreprises, différents secteurs, différents marchés, afin d'être vraiment multi diversifié à ce niveau-là. Ensuite, le cinquième élément, et ça c'est très intéressant, c'est qu'un ETF Word est rarement dans le négatif. Donc là c'est l'historique depuis 1979. Ici, on peut voir les meilleures années, là les pires années. Donc les pires années, on a eu en 90 -29,6, 2002 -32,9 et 2008 -37,5. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je suis persuadé que beaucoup se disent que bah il y a souvent du moins 50 Au final, les pires années ici depuis 1979, on n'est jamais allé en dessous des moins -40 sur un ETF ou du moins 37,5 en 2008, c'est le plus gros crash qu'on a, qu a connu depuis 1979, ce qui est finalement assez raisonnable et ce qui est aussi très intéressant, c'est que on est très souvent dans le vert et rarement dans le rouge. Euh, alors on va pouvoir regarder donc 1979 à 2021, au total du coup, on a 42 années

Donc quasiment trois quarts du temps, le marché est haussier avec euh, si on prend une moyenne quand même euh, bah des, des points qui sont assez élevés hein, en termes de performance annuelle. Donc euh, ça c'est quelque chose de très intéressant parce que souvent on voit que euh, les gros titres des journaux, euh, le marché crash, euh, c'est la fin du monde, etc. Euh, si on compare euh, à quel moment le marché euh, est dans le vert et à quel moment le marché est dans le rouge, on voit très vite que euh, finalement le monde continue de se développer peu importe ce qui se passe, les entreprises continuent de faire de l'argent au sein d'un autre Ford et au sein de tous les ETF, on a cet avantage qui a aussi cette partie arbitrage. Si une entreprise fait faillite ou autre, elle va être remplacée automatiquement au sein de l'indice. Ce qui fait que bah, ça performe parce qu'on a toujours les meilleures entreprises au sein d'un indice boursier. Maintenant, le sixième élément, c'est que les ETF MSI World surperforment les fonds actifs. Donc, de nombreux OPC se comparent au MSI World et tentent de le surperformer. Mais très peu y arrivent. Donc, le, selon l'étude de l'IXOR de 2019, comparant la gestion active et la gestion passive en Europe, seuls 17% des fonds investis dans les actions internationales ont dépassé le MSI World sur 10 ans, ce qui est très faible. Si on passe sur 15 ans, c'est encore plus faible, en, en fait plus on va être sur une durée de détention longue plus c'est compliqué pour des gérants professionnels de battre euh, un ETF World et alors que euh, bah, c'est très simple, on peut investir sur un ETF World ne pas se casser la tête, mais pourquoi C'est notamment parce qu'ils ont des frais, donc euh, quand un fonds actif prend 1,5% de frais, il doit faire la même performance que le MSCI World euh, pour euh, le battre en prenant en considération qu'il a aussi 1,5% à récupérer déjà et donc 1,5% s'il y a des années où surperforme sur 5 6 7 8 ans ça crée vraiment une grosse différence entre l'ETF et le fonds actif pour qui ça va être compliqué et aussi ce qui est assez intéressant juste ici c'est là sur le S&P 500, mais c'est finalement assez similaire parce que euh, pour le coup, dans le world, on a beaucoup d'entreprises américaines pour que sur 15 ans, donc ça c'est Spiva US, on a euh, 92% finalement euh, où l'ETF surperforme euh, les ici les fonds professionnels et on a 7,81% des fonds qui surperforment le S&P 500 sur 15 ans, donc c'est très 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 faible et euh, comme c'est indiqué ici c'est quasi impossible de les identifier à l'avance ces fonds parce que pour pouvoir battre un indice ils vont être obligés de prendre des risques d'avoir vraiment une gestion qui est active et euh, malheureusement bah, on ne peut pas savoir quelles vont être les tendances qui vont euh, qui vont arriver. C'est pour ça qu'aujourd'hui bah, il est préférable si on souhaite pas se casser la tête et finalement avoir une performance qui est quand même honorable de se mettre sur un ETF ou sur plusieurs ETF, créer sa propre stratégie, sa propre allocation en fonction de son âge son appétence au risque les montants qu'on souhaite investir mais en tout cas on peut voir que les fonds actifs clairement ont énormément de bas de mal à battre un fonds indiciel classique et le septième élément, c'est qu'il est possible de battre les ETF MSI World avec des ETF MSI World Smart Beta. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être le Smart Beta, peut-être que d'autres ne le connaissent pas. Donc, c'est pour ça que j'ai créé une liste des meilleurs ETF Smart Beta avec toutes les informations les concernant. Et si vous le souhaitez, elle est disponible en description. Donc, c'est entièrement gratuit. Et pour le coup, j'ai euh, détaillé tous ces ETF. Et finalement, on peut voir aussi lequel est le plus intéressant. Donc, le Smart Beta, ça va être en fait des facteurs, ça va être une certaine méthodologie qui va être utilisée par tout simplement les émetteurs, ça peut être euh, la valeur, ça peut être euh, le momentum, euh, la croissance, la taille, etc. Et ici pour l'exemple, on peut voir, euh, alors là c'est un des ETF Smart Beta d'ailleurs qui est dans la liste que je vous mettrai, et euh, pour le coup on peut voir que depuis 94, l'ETF World Classic fait 7,77, ici c'est un ETF Smart Beta avec une certaine typologie à 11,22%. Donc, on peut le voir, hein, ça surperforme, mais littéralement, vraiment, un ETF World classique. Et c'est deux ETF dont on parle pas beaucoup. Il y a des frais un petit peu plus importants que un ETF World classique, mais euh, malgré les frais légèrement plus importants, hein, ce pas des, pas des ETF qui prennent 0,50% de frais. Ça prend pas trop de frais non plus. Et malgré ces frais là, on est vraiment sur une performance qui est bien plus importante. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai la liste que vous pouvez télécharger. Euh, il me semble que euh, au total. Il y a 7-8 pages de contenu avec vraiment le détail complet, les benchmarks, les informations les concernant. Donc, si vous ne connaissez pas le Smart Beta, téléchargez ça parce que ça vous donnera déjà une idée de qu'est-ce que c'est concrètement et comment c'est possible d'ajouter ce type d'ETF dans un portefeuille pour encore une nouvelle fois être plus diversifié et s'exposer à une méthodologie de réplication qui est un tout petit peu différente. Et euh, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.